Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard, qui les met entre tous pour sa grande bravoure et sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit. Il lui sembla dans l'ombre entendre un faible bruit. C'était un Espagnol de l'armée en déroute qui se traînait sanglant sur le bord de la route, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié, et qui disait « à boire par pitié !» Mon père, ému, tendit à son housard fidèle une gourde de rhum qui pendait à sa selle et lui dit « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. » Tout à coup, au moment où le housard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignait encore et vise au front mon père en criant « Caramba !» Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. « Donne-lui tout de même à boire, » dit mon père. Mon père, ça m'a fait penser, parce que je ne savais pas ce que Inès dirait ce soir, ça m'a fait penser à un texte, enfin une version que mon père avait écrite de ce texte. Alors écoutez ça.